Oh, t'abuses, ça doit pas être si fort que ça. Mais mec, là c'est abusé vraiment, tu peux pas dire le contraire. Mais c'est normal de taper autant, t'as 1500 de stats et tu perds des PV en tapant. Flamiche, c'est une flamiche. Ah. Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui, vous l'avez vu à l'intro, je vais tester le Sacrieur et voir si cette classe est aussi pétée que tout le monde le prétend. Ce qu'on reproche principalement à cette classe, c'est d'avoir beaucoup trop de dégâts, beaucoup trop de tanking, et c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo. Je vais taper le plus possible sans me casser la tête sur rien du tout et voir si les dégâts sont bien trop abusés ou ma capacité de tanker bien trop forte. Pour ce qui est du stuff, mon but ici va être de partir sur quelque chose de complètement stupide. Je ne vais pas avoir de Dofus Ivoire, mettre un Dofus nébuleux et jouer avec des dégâts à distance et l'arc corrompu qui devrait nous donner d'énormes dégâts tout en ayant cette facilité de taper à distance. Allez, trait de blabla. Passons combat, mais avant ça, je souhaitais mettre en avant le travail de Caro One dans la deuxième page de la BD sur les introductions que je fais sur la chaîne. Je vous laisse regarder ça, c'est juste magnifique et c'est fidèle aux premières introductions que j'ai faites sur la chaîne YouTube. Donc envoyez de la force à Caro, tous ses réseaux sont dans la description. Allez, c'est parti pour les combats. Bah, ça doit... Oh, on est contre un autre sacré. Ah non, bah non, bah du coup, mon but c'était de... Salut YouTube, on est contre un autre sacrieur et on n'a pas de reste, donc... Ah, j'ai peur. Ah mais si, on a 48% alors qu'il est full AJ MDR. Alors tout était planifié, hein. C'était... On peut dire planifié d'ailleurs dans le métier. C'est pourquoi je vais me mutiler en gift de satisfaction. Allez, la petite mutilation, on va mettre... Est-ce qu'on met notre épée d'ensemble tout de suite? Moi, je ne danse pas, non. Oh, poulain. Quoi? Mais attends, j'ai pas mes états de rage et je tape du 2000. Je sais plus qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors, attendez, excusez-moi. Ah, j'ai pas crit, je l'ai tué quand même, lol, MDR. Je vais pas mettre ça parce que sinon, il pourra nous embêter. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai petite maîtrise. Mais j'avais pas maîtrise. Lol. Oui. Alors oui. Mais oui. Du coup, on se met là. Et je pilori, ça sert à rien. Oh, il a 2500 points de vie. Ah mais c'est libation, lui. 100% il c'est libation. Je le connais, hein. C'est Thierry de la compta. Il a mis des carnes. Il se retire de la vie. Il n'en a rien à faire de la vie. Vraiment, c'est... C'est flippant, hein. C'est flippant. Il manque un de PO pour pouvoir faire le kéké des plages. Écoutez. Quoi? Mais attends, non mec, il vient de se pilori. Ça n'a aucun sens, attends, quoi? Mais... Ouais, je fais que du moins 900. Je peux pas la version, c'est chiant, il manque un PM. Ah, je peux pas que 200, c'est vrai. Attendez, hein, parce que du coup, on a rien à faire, donc on se redonne 1260 points de vie. J'ai envie de là j'ai envie de le tuer, là. Là, j'ai envie de l'étrangler. Aïe, non. Non, me tape pas comme ça, voyons, Michel. Aïe. Ouille. Je peux m'immoler par le feu. Regardez. Oh, je suis taclé. Bah non. En fait, non. T'es trop con. J'ai mis slick. Ah bah en fait, non. Vas-y, j'ai envie de tout casser. Oh bah, j'ai gagné. C'est quoi cette classe de merde? Genre sans déconner. Waouh! Mais c'est quoi cette merde? Non mais qu'est-ce qui se passe? J'ai... Non mais attendez. Non mais je gagne 160 colisétons, hein. Genre là j'ai une cote de... J'ai une cote qui est très forte, hein. C'est pas une cote à la con. Ah bah je m'appelle Sims Legit, hein. C'est plus ou moins un bon résumé de ce qui... Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Non mais je m'attendais pas à ça. Mais on était contre un sacré. Le mec réduisait des dégâts. Il avait des résis, hein. Nerfé sacré, hein. J'ai envie de tout casser, hein. Mais... On est contre un sadido. Let's go lui casser la tronche, c'est parti. Alors je vous propose tout de suite, en exclusivité, une petite épée. Quoique, il pourrait la tuer, est-ce que se faire tuer l'épée, on n'est pas content. Alors on va se taper un peu quand même, c'est pas très bien, je sais. Quoi pas mettre une carotte, mais je crois qu'il a pas le sort carotte. Oh, il a aucun sort spécial. Ah si. Ok, c'est buggé, c'est full buggé. Eh bien écoutez, on ne va rien faire, j'aurais dû mettre mon épée et taper pour booster les bennes. Mais sachez que, on s'en fiche, ce n'est pas très important au final. On est contre un Sadida, Sadida qui est terre je pense, avec la bloqueuse qu'il va tuer logiquement avec... Pas du tout. Ah non, c'est un Sadida, je spam. Alors apparemment il est connu, hein. Des gens me disent « Oh Mantise, c'est un collègue de Hush ». D'accord, bah je suis désolé pour ton collègue alors. Ah, écoutez... Et étant un sacrieur, je ne veux pas que la sacrifiée m'explose dessus, c'est pourquoi je vais la mettre de l'autre côté de la planète. Hein. C'est tout de suite chose faite. On va donc aversion le monsieur. Contre le mur, c'est tabac un peu plus fort.
Non mais par contre, s'il vous plaît, genre, faites quelque chose, quoi. Moins 1300, hein, c'est chose. C'est le petit plaisir. Allez, hein. Allez, on n'a pas le... Non, on n'a pas le temps. Non, j'ai déjà maîtrise. J'ai déjà maîtrise, Busine, t'en fais pas. Ok, il met un arbre contre moi. La surprise... Oh non, il veut me retirer tous mes PM, non ! Non ! Non ! Michel ! Arrête. Après, on a projection et tout, il y a peut-être moyen qu'il se passe des choses quand même. Est-ce qu'il peut se barrer si loin que ça ? Et avec aversion, je pourrais toujours le taper à travers les murs si je veux. Allez, laisse-moi un PM. Il m'en laisse plus en fait. C'est plus que nécessaire. On va quand même aversion pour en projection pour se barrer de là. Et attends. Immolation c'est 4. Non, ça va pas. On va la version vers nous. Ah non, on va pas la version vers nous. On va la version contre nous. Non, c'est une blague, mais c'est une blague. Je sais pas que... Ça... Bah oui, mais j'ai un passif qui augmente mes dégâts, du coup je monte à 2000. Mais du coup, oh, mais il vient de se prendre 530. Il s'est pris 530 d'ébène. Il s'est pris 530 d'ébène. Mais le mec a 27%, il y a un ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Non mais ça me fait peur en vrai. Je vous jure, ça n'a aucun sens. Genre, j'ai l'impression d'avoir un compte cheaté. Genre, c'est pas une blague. Je l'ai... Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'ai pas beaucoup de mobilité, hein, ça... Non. Non, genre là... Hop ! Salut ! Hop ! Salut ! Non ! Mais je misclique avec cette souris de mort ! Je misclique avec cette souris de mort ! Il me dit gentil ça. Mais attends, mais j'avoue que... Mais filez-moi une souris Gaming Gear! C'est pas marrant! Attendez, il faut que j'évite de mourir, bêtement. Ah mais c'est... j'avais oublié. Ah bah je peux mettre 1200 de shield pour 2 PA, excusez-moi, j'avais complètement zappé ça. Ça va, vous en faites pas. Grâce au pouvoir du cheat, tout va bien se passer. Ok. Il veut survivre, c'est tout à fait compréhensible. Mais là, je suis navré. Ça ne marchera pas. Comme quoi, on peut se permettre de taper dans le vent hein, et gagner quand même. On va dire que j'étais Clément parce que c'était ton pote. Eh bien, c'est effectivement ça, hein, bien sûr. C'était ce sentiment qui m'habitait actuellement. Et ça lag. Non, mais j'en peux plus, hein, vraiment, de cette souris, j'en peux plus. Hein. Alors, excusez-moi, non, être taclé, c'est pas dans mon agenda. Et salut. Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire en fait. Nerfez-moi cette... Nerfez-moi ça en fait. Juste nerfez ça. S'il vous plaît. On est contre Gloomordigno, le Xelor. Et on va se battre très fort. Mettre des gros dégâts. Là c'est un gros qui est placé. Il va pouvoir j'imagine mettre voilà, la prémo et puis mettre un truc dessus. Le complice. Pourquoi pas? Je m'attendais à avoir un complice ici. Après, il veut peut-être prendre son temps. Il sait qu'il est contre un sacré et qu'il aura peut-être pas le premier mot. Enfin, le dernier mot plutôt. Je peux comprendre. Voilà ce que je vous propose. C'est comme d'habitude, on avance, on met notre épée. On va lui mettre une stase pour se booster. On va même double stase d'ailleurs. Hop, on réavance. Et je ne vais pas me. J'hésitais à me pilori. Après, je pourrais peut-être me pilori et muti. On pourra taper au cac si on veut. Il y a de fortes chances qu'il finisse à notre cac en plus. Ouais, je vais faire ça. Ça le force à venir à notre cac, hein, on rappelle le pilori dans tous les cas. Et on a l'épée sur le chemin qui fait quand même assez chier. Parce que même si jamais il a le retour spontané, bah elle le taclera quand même. Ok, téléportation, bah alors ça c'est parfait. Bon, il va sûrement utiliser son sort en fin de tour pour pouvoir revenir ici. Mais c'est pas grave, nous on a de quoi jumper. Je pourrais aussi en fait même tout simplement transpo la synchro. Hein. Et voilà, les dégâts qui sont pas très forts. Même si... Pouah. Un petit coup de décache qui fait mal. Il a crit au moins? Il a pas crit. Aïe, ouais, si il crit, ça risque de piquer bien plus fort.
Bon bah nous de notre côté le parcours est tout tracé, hein. On fait ça, on va pouvoir le repousser. Après ce que je peux faire c'est venir ici. La version... Après ça tape au cac d'abord? Je sais pas. Peut-être que ça tape et que ça repousse, j'en ai aucune idée en vrai. Eh non c'est parfait. Moins 1500, allez hop, qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce que t'as mec? Qu'est-ce que t'as? T'as rien du tout, et t'es ta clé. Bon après faut faire attention, on a quand même 2100 points de vie, il nous a montré qu'il tapait plutôt fort, mais là il a plus son boost de plein de choses. Donc là on est bien. On est bien. Et puis il y a notre passif qui proc, hein, donc on prend encore moins de dégâts. Voilà le flétrissement qui ne tue pas notre épée dansante. Ça va, ça semble être la fin hein, pour monsieur. Tu peux pas nous tacler aussi, c'est très fort, hein, aversion vraiment, sort ultra fumax. C'est quand même pris très cher. Hein. On va aversion, on va coup de cac, ensuite on va voir si on se met du shield ou pas en fait, tout simplement. Mais 2800, mais quoi? Mais ça n'a aucun sens ce jeu vidéo. Ce jeu vidéo n'a aucun sens les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Non mais regardez-moi ça, le mec avait des résilles quand même. Contre un sacrieur, encore un petit sacrieur. Alors sacrieur, on les aime pas trop parce qu'on peut pas taper incroyablement fort. Même si, bon, ce n'est point grave. Alors, je fais une petite erreur, j'aurais dû garder mon petit PM pour gérer tout ça, mais c'est pas grave. On va se muti, on va se mettre une maîtrise d'armes. Ça change techniquement pas grand-chose parce qu'on sait que aversion, on peut l'utiliser de façon intelligente. Et donc aversion au cac, si on veut proc au cac. Donc là par exemple, s'il met une épée ou qu'il veut nous foncer dessus, eh bien, on aura cette solution-là. On a la multi qui est lancée, sac à watt, pourquoi pas. Nous, ce qu'on va mettre, c'est un petit pack de sang sacrifié, je pense, du coup, si on a rien à faire ce tour-ci. Ah, c'est de la corruption, d'accord. Ça, c'est embêtant. On a pack de sang sacrifice. Et ensuite, eh bien, écoutez, petit pilori, hein, histoire qu'il puisse pas trop nous embêter, et on attend. Hein. J'aurais peut-être pu taper l'épée avant, mais je pense qu'on est ben 4 après, donc ça changera pas grand-chose. Si je mets un chauffeur, il pourra se TP dessus, c'est pas ce que je veux. Si je me mets là, il peut fulgu. Et qu'ici, où il peut pas fulgu, bah, on va se mettre là. Après, je peux peut-être mettre un chauffeur genre derrière, genre là ici, s'il avance de 4. Non, de toute façon, quoi qu'il se passe, il pourra l'utiliser, donc on va attendre. Il est en corruption, donc il a tout intérêt à venir. Voilà, la transpo qui a été utilisée pour rien du tout. On le savait, et là, il nous donne quand même une diagonale assez sympa. Même s'il nous manque un petit PM pour pouvoir en profiter. Comment je peux récupérer un PM là, de cette façon? Moi je peux le transpo par contre. Je peux faire ça. Faire ça encore, je pense, pour avoir la PO. Au secours. Ok. Pouh, attendez! Il a pris du dos! Attends, il vient de prendre du moins 2000 là! Excuse-moi, j'ai eu du mal à me rendre compte de ce qui venait de se passer en fait. Il vient de prendre du moins 2000 là! Il vient de prendre. Je vais mettre du moins 2000. Mais je comprends pas ce jeu vidéo! Je comprends pas ce jeu vidéo, je vous jure que je le comprends pas! Qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, je suis obligé de me shield. Pack 200, ça part quand, là? Pack 200, il part. Non! Il part prochain tour! Ah, ça, c'est chiant. Oh, je suis foutu, je pense. Hein. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Le moins 2000, c'était très violent. Hein. Bon, chose vraiment positive, c'est qu'il peut pas venir nous chercher. Il va être obligé de s'avancer et de taper une seule fois. Faut pas taper du tout en fait, y'a que sa crocobure qui va fonctionner là. Oh, il perd son. Oh, il perd son épée en plus, what the fuck. Ah, par contre, j'ai mis. Ah non, c'est bon, j'ai mis l'ébène sur lui. Eh bah écoutez, GG à tous, hein. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu vidéo? Qu'est-ce qui se passe en fait? Mais vous vous rendez compte, je lui ai mis du 2000. Du 2000 en fait, j'ai mis un coup de cac, le gars s'est pris sans aucun. Enfin, comment dire, dans le plus grand des calmes. Du 2000. C'est un sacrieur. Il réduit les dégâts avec son passif. On le dira jamais assez. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, on est contraint. Oh là, il a 17% feu. Il a 17% feu, les gars. Alors là. Alors là, les gars.
Je suis joie. Après, peut-être nous taper très fort et être très chiant, hein, n'oubliez pas, mais... Mais ça n'empêche qu'on va lui mettre des damage, mais genre, ça n'aura aucun sens. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Ce tour-ci, on va rien faire, hein, comme d'hab. Alors, est-ce qu'on pack 200? J'ai peur, parce qu'à chaque fois, le pack 200, il est cool, mais il est pas cool en même temps, donc... Après, je peux lui foncer dessus, changer de place avec son lapino, hein, s'il fait n'importe... Alors, rapproche-toi un peu, là. Une ou deux cases. Ouais, non, je t'ai dit rapprocher, pas te barrer, en fait. Tant pis. Dans ces cas-là, on va juste maîtrise d'armes. Ah, mais je peux me libation, du coup. On va se libation. C'est vrai que j'ai pas pris le pack 200. Bah, on avance, hein, on a envie qu'elle nous tape, du coup. Pour que la libation proc. Bon, en même temps, c'est un peu débile, non? Je sais pas, je sais rien. On peut récupérer les points de vie sur notre poteau, donc c'est pas gênant. Là, on n'a pas grand-chose à faire. Hein. J'ai pas de deux invos, donc je peux rien taper, je peux rien faire, les amis. Bah, c'est pas grave, on a rien d'autre à faire. Mais c'est pas un souci. Je vais quand même rapprocher l'épée. Par ici, au cas où elle se barre par là. Surtout pour pouvoir la sacrifier facilement. Là, il y a une flamiche, on va se prendre un coup de cake des familles, mais... Bon, impartial. Ok. Il est là pour taper, le monsieur, il est là. Oh, on dépasse les 3000 de dégâts, on n'est pas encore en nébuleux, nous ne sommes pas encore en nébuleux. Non mais ça n'a aucun sens, hein, les dégâts, je vous assure que je suis moi-même sous le choc là. Est-ce que j'aurai ligne de vue si je fais ça? Non, je vais mettre ici. Mais regardez les dégâts, 3400, 6 à... Non, attendez. J'ai crit. Il vient de se prendre du 2800. Attendez, je le tue? Non. Si... Je crois que si jamais j'avais ça, je le tuais peut-être, en fait. Bon, on va l'hécatombe. Hein. 1300, Attends, si je crit avec l'hécatombe... 605, je crois qu'il... Attends, il meurt de l'ébène? Il est pas mort de l'ébène parce qu'il s'est soigné du 185. J'ai failli one-shot un ennemi alors que l'ennemi il avait 900 de shield. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui vient de se passer? Il se recompte même pas, il s'en fout, il sait qu'il est perdu. Je crois que j'ai perdu en fait. Il dit GG. Est-ce que je suis mort? Avec 10%, il y a moyen. Non. Non, je suis mort à que dalle, c'est tellement triste. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot croissant dans les commentaires, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.